Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Un épisode qui fait suite à un épisode de rage sur ce jeu, ce qui n'arrive pas souvent. Nous avons donc été détruits, bah oui, rencontre avec l'au-delà, bah oui, va te faire foutre jeu, va te faire foutre, voilà, c'est bien, bon jeu. À partir du moment où le jeu t'envoie des vaisseaux boostés dans ta gueule, je considère que ce n'est pas normal. Je vérifie quand même une seule petite chose, est-ce que j'ai encore... Non, je n'ai rien ici, c'est parfait. Tableau d'affichage, est-ce qu'on peut en refaire une mission de ce genre? Parce que je veux l'avoir, mon rang, si possible. Et B, c'est longué, c'est bon. Décrochez votre... D'accord, ça c'est... D'accord. Sans dévier. Décrochez votre promotion de Navis Amiral. Chasseur de primes, tiens, faut que je bute des chasseurs de primes. Non, on va éviter. Deux esclaves à Munfail, non, c'est pas la peine. Alors, nous avons reçu l'ordre d'évaluer vos compétences en vue d'une promotion, commandant. Il est de mon devoir de vous vérifier que vous êtes apte à servir. J'espère que vous l'êtes. Les pertes humaines font certes une partie du quotidien de la marine fédérale, mais rien ne nous empêche de les venger. Une escadrille en transportant certains de nos agents a été prise en embuscade lors d'une patrouille, et il faut les venger. Nous avons identifié l'embuscade comme étant l'œuvre d'un pilote mercenaire dont l'indicatif est le suivant, Oliver Hellman. Eh ben écoutez, on y va. Oliver Hellman. C'est parti. C'est parti. Transaction, ouvrez la carte de la galaxie. C'est parti, on y va. C'est pas très très loin en plus, c'est génial. Team étoile K7V, on ne pourra donc pas y recharger notre... simplement notre réservoir, re-remplir notre réservoir. Mais ce n'est pas grave, on y va, on va le défoncer, on va se venger. Tout est fonctionnel. Alors ce qu'il faut savoir, chers amis, c'est que j'ai prévu autre chose pour les fameux 100 000. Je vais en parler avec mes conseillers, on va dire. Hop, je vais en parler avec mes conseillers, mais je pense que je prendrai plutôt un T9 lourd. Donc un véhicule de marchandises, hein, enfin, de commerce, hein, de transport de marchandises. On verra, je verrai avec eux si c'est rentable ou pas, ou s'ils me proposeraient autre chose. En tout cas, j'ai réalisé un fitting solide, équipé. Bref, tout le tout team. Plus qu'à voir avec eux si effectivement c'est viable ou pas. Je trouve le son extrêmement fort. J'espère que ça va dans l'enregistrement, chers amis. Je vais faire un tour. Je vais hop juste couper là. C'est ici, voilà. Je reviens. Re, chers amis, alors cette fois-ci j'ai décidé de vous passer un petit peu la séquence de recherche entre guillemets, hein. Donc une fois qu'on aura fait ça, on verra ce que ça va nous augmenter. On verra comment ça va augmenter. Et on verra aussi surtout ce qu'on peut faire ensuite, hein, tout simplement, hein. Si ça nous propose directement une quête supérieure ou pas, que je ne pense pas. Donc voilà, je vous passe toute la séquence de recherche et je vous retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Bah écoutez, je viens de me faire attaquer au moment pile où je coupais l'enregistrement. Alors normalement je suis en soumission à la cible. Mais apparemment lui non plus il a pas trop envie de venir me chercher. Si ça y est, c'est bon. Ok. Pardon, tu veux quoi? Ma cargaison. Mais comment déjà par te payer un bouclier, mon pote? T'es où? Bonjour. Non, tu rentreras pas dedans. Putain, ça me saoule. Regardez ça, il a même pas de bouclier, le machin. Voilà, tiens, on va bouffer dans le générateur. Ça va être parfait. Encore faut-il que j'arrive à viser juste. C'est pas avec ce genre d'armement que je vais réussir à faire beaucoup de dégâts. On se rapproche un petit peu, chers amis. Touché! Touché. Bah alors. Target destroyed. Bah merde. Je me suis pas rendu compte qu'il était aussi fragile. Ok, bon bah pourquoi pas. On remballe.
Hop. Et on repart. Bon bah écoutez, à tout de suite les amis, hein, je reprends la recherche. Hop. Bon, rien trouvé en une demi-heure ou presque. Donc on va essayer une source de signal faible, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Hein. Sincèrement. Regardez ça quoi, y'a rien. Rien dans la zone. Ah si, y'a un paquet de pitons sans armure. Enfin, sans bouclier, pardon. En dehors de ça, pas grand chose. Je sais même pas quel genre de robot je dois chercher. Enfin, quel genre de vaisseau je dois chercher, pardon. Je commence à me planter entre Robocraft et Elite Dangerous, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais je trouve rien du tout et ça me plaît pas. Rien du tout, plaît pas, rien du tout. Ah, deux nouvelles cibles. Ça peut pas être un Eagle. C'est le premier Eagle que je vois, donc je vais me retourner. Cinq nouvelles cibles. Ce sont principalement des sillages. Anthony Haynes. Et le Eagle, non, c'est un copain. Ah, non identifié, attendez, deux secondes. Il y a des non identifiés par là. Je veux tenter ma chance sur les non identifiés. Là, là il y a des choses à tenter, chers amis. Il y a clairement des choses à tenter. Avec un peu de bol, on va trouver notre ennemi. Ah, ça serait bien. Parce que là, une demi-heure de recherche, pas un seul indice. Même pas un indice pour savoir ce que c'est comme vaisseau, quoi. Croisons les doigts. Croisons les doigts et serrons les fesses, chers amis, aussi. Ce serait pas mal. Alors. Alors, c'est parti. Hop. Voltar. Service de sécurité interne, service de sécurité interne. Génial. Génial, génial, génial. Et Voltar en question, c'est un vilain au moins. Que je puisse me... Oh, il a fui. Oh non, non, oh, 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 oh. Où il avait déployé des contre-mesures ou un système de heatsink pour pas que je le puisse le... Frameshift charge detected. Non. Target shields offline. Non. Scan detected. Non, il est trop agile. Trop agile pour moi. Ah, il s'est échappé. Tant pis. J'ai bourré, j'aurais pas dû. Bon. Ce n'était pas celui qu'on recherchait. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure, chers amis, à tout de suite. Re, chers amis, re, 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 re. Bah écoutez, on l'a toujours pas, par contre je suis rentré dans une zone où il y a ce cher monsieur Taldan qui semble être quelqu'un de... d'assez... Bon, d'assez peu apprécié dans la région, on va dire. Hop. Toujours peur quand je vois un truc de ce genre. Hop les, voilà. Boum. Et on a un petit monsieur ici aussi, un petit monsieur SP Explorer. Oh, dommage. Hop. Bonjour messieurs des autorités. J'ai pas envie de le faire avec ça. Oh, et ça touche. Que ça ne toucherait pas. Il n'est plus.
J'ai fait quelques crédits, hein. Honnêtement, je pensais que ce serait plus facile de trouver... trouver notre cible, mais effectivement, c'est assez compliqué, hein. Ah, on va s'échapper un petit peu. Pleine puissance, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Non, non, je pensais que ça en allait le trouver plus facilement. Bon, bah, à tout de suite, hein. Source de signal forte, on va bien voir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont juste un médical transport, dommage. On repart. Hop. Oui, je vous laisse, n'inquiétez pas. A tout de suite. Et on l'a. Hop. Wouh. C'est la fête du slip. Bon, il avance pas, j'essaie de me... Oh putain! T'es pas sérieux! T'es pas sérieux! Et donc, est-ce que je peux scanner ça? Ou est-ce qu'il y a un moyen de... Est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment il, où est-ce qu'il est allé, etc. Ah bah il y a une source de signal juste à côté. Je tente la source de signal ou pas? Je sais pas. D'accord, donc ça ne servait à rien de tenter la source de signal, ça ne sert strictement à rien. Je vais tenter... Enfin, le sillage énergie, là. Je vais tenter plutôt ça. On verra bien. On verra bien. Pouah ! Il venait juste d'apparaître, chers amis. Hein. Honnêtement, il venait juste d'apparaître. Alors franchement, j'espère qu'il est là. Vu comment elle a pop en dessous, je me suis dit bon, peut-être. Mais ouais, franchement, je suis dégoûté, là, chers amis. Hein. Si le machin, il fait que ça, apparaître et disparaître, tu m'étonnes que je l'ai pas vu, quoi. J'ai même pas vu quel vaisseau il avait, j'ai pas fait attention. Enfin, je l'ai plus en mémoire. Y'a un truc qui me passe par-dessus la tête, j'aime pas ça. C'est le header, génial. À côté de ça, il y a un python et un orca. Oh putain, puis j'ai repris 20 SL. Ok, on réessaye. Oh! Mais ralentis, regardez ça. Hop, on passe à côté. Hop. Gah. Si c'est pas ça, je retourne voir quel modèle c'est et puis je scannerai que ces modèles-là, on va gagner du temps déjà. Mais bon, franchement là c'est un petit peu long. Et puis surtout si c'est pour obtenir ce genre de résultat où on le voit passer devant nous et disparaître, c'est un peu... Sachant qu'il est censé être là-dedans et qu'on le voit disparaître à chaque fois, c'est casse-couille en fait. Bon, allons voir. Cobra MK3, Star Salesman. Et l'autre, c'est quoi? Sidewinder, Tom Shields. Ok, donc c'est pas eux. Ils m'attaqueront certainement pas. Je reviens, je vais voir le shoot. Scan detected. Pff, je cache rien. Je l'ai re-retrouvé, chers amis, en espérant qu'il ne disparaisse pas. Ne disparaît pas.
Hop là. Voilà, on l'a. Quoi? Quoi? Putain! Ah! V'là que je me fais agresser en plus. Non mais v'là autre chose. À part toi, passer à la quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi, sac à caca? Je vais te dépecer, bleusaille. Tu viens de dire ça. T'es... Non mais t'es sérieux? Tu veux rigoler? Ah, c'est peut-être ça, tu veux peut-être rigoler. Pourquoi tu m'attaques en fait? J'ai pas encore tout à fait compris. Parce que mes tourelles sont en train de bousiller tes boucliers sans que je te tire dessus. Déjà. Donc, j'aimerais comprendre un petit peu l'utilité de ton anac. Non, de vrai, oui, enfin je. De ton agression même, je dirais. Hop les, boum. Bah alors, je. Non mais explique-moi, parce que je comprenne. Non mais c'est vrai, ce serait dommage que je te laisse mourir et que je ne comprenne pas pourquoi tu m'as attaqué. Moi, ça fait près d'une heure que j'attends. Ah non, pardon, excusez-moi. Ça fait une heure maintenant que j'attends d'avoir mon ennemi. Il me passe deux fois sous le nez. On sait pas trop encore comment, pourquoi, ni comment ça se fait. Maintenant, si je me fais agresser pendant que j'attends, ça va pas le faire. Je peux pas accepter ça. C'est parti. Je fais mes picross tranquille. Je me fais attaquer en même temps. C'est pas normal tout ça. Il y a un manque de respect certain. Que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas... Ah. Et tu t'oublieras vite. Le voilà. Bon, bah j'ai bien fait de pas couper. Non. Mais non. Mais non, jeu de merde. Oui. 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 Non. Oh non, c'est un rond. Héron, petit patapon. Oh non. Il fait des ronds lui aussi. Non. Non, j'interdis de faire des ronds, s'il te plaît. Ne fais pas des ronds. Ne fais pas des ronds à l'arrêt, s'il te plaît. Je peux pas supporter ça. Ah, cool. Allez. Allez, bouge. Allez, bouge. Ça fait une heure que je te cherche, l'ami. Tu comprends bien que je peux pas te laisser te barrer maintenant. Non, non, mais franchement, là, ça fait une heure que je te cherche, c'est trop long. Hop. Voilà. Maintenant, s'il te plaît. Il va falloir que tu acceptes de mourir. L'heure de vérité, bah écoute, pourquoi pas. J'ai même juste visé ton générateur avant. Raté, t'as du bol. Bah écoute, moi j'ai aucune... Ah non, je vais même pas te scanner, tu sais, hein, je... Là, c'est... je te cherche depuis trop longtemps. You're not a valuable target. Scan detected. Frameshift charge detected. Non. Non. Non, j'ai dit non. Et me scanne pas, abruti. Voilà. Et ben voilà, chers amis. Retournez à Krevit, à Onailwan. Voilà. Voilà une quête qu'elle est bien quand elle est terminée. Ça fait une heure que je squatte l'espace de cette zone, je sais plus comment qu'elle s'appelle d'ailleurs, je sais même plus du tout comment qu'elle s'appelle. Anglar. Une heure que je la squatte. Wouah, génial. En plus c'est bien parce que je commençais à rager parce que je le trouvais pas et il me tombe sous le nez comme ça, comme par magie. Ça fait du bien, je suis limite en train de m'endormir. Wouah. Donc ça, c'est fait. Alors vu le nombre de coupures qu'il y aura dans l'épisode, ça, je vais m'éclater à le monter. Mais bon, c'est comme ça. Onailwan. Nous voilà partis.
Fuel scooping. Un petit peu de plein avant quand même. Hop. Et on se barre. Voilà. Parfait. Bon. Donc, actuel. Alors, je sais même pas pour qui c'est la mission, hein. Maintenir l'ordre. On ne saura pas. Donc, techniquement, on devrait monter quelque part là-dedans. Soit pour l'Empire, soit pour la Fédération. Donc, premier maître. Ou CER. Donc, je pense plutôt que ce sera pour premier maître, hein, vu qu'on est déjà à 100%. On verra bien. On verra bien. Alors. Un petit peu de pilotage maison. Il me semblait avoir enlevé en plus le... Oui, je l'avais enlevé pour mettre l'intercepteur. Donc ça va être rigolo, on va devoir se garer à la main, chers amis. On va se garer à la main. De toute façon, il faut toujours finir un épisode à la main. Il faut toujours se finir à la main. Oui, il y a bien une connotation étrange dans... cette phrase. Alors, O'Neill One, on approche. Tout doucement, la planète est très jolie, hein. Ok, c'est parfait. Hop, j'accélère pleine balle, c'est bon. On y est. Donc. Techniquement, l'avant est par là, vu qu'elle tourne en fait dans le sens anti-horaire, donc. Hop. On va en profiter pour demander. Docking request granted. Un appontage. On va aussi désarmer complètement notre vaisseau, on n'en a pas besoin. On peut même mettre que deux en moteur, ce sera largement suffisant. Flight assist off. Flight assist on. Voilà. En douceur. Hop. Scan detected. Plateforme d'atterrissage numéro 3, c'est celle qui est là-haut. C'est celle qui est là-haut. Parfait. Hop. Flight assist off. Off. Flight assist off. Oh, pourquoi je fais ça, hein? Ah, j'ai oublié les trains d'atterrissage. Effectivement. Bon, il y a le temps avant le déploiement des landing gear. Hop, on descend. Hop, et on est bon. On entre dans l'hangar. Et un instant, je fais une petite coupure. On veut me parler. Re, excusez-moi. Hop. On va aller voir ce que ça va donner, hein. 134. On rend la quéquette. Major 62, génial. Donc Major chez la Fédération. Bon. Ça met dans l'audience. Vice-amiral. Type de cible, 9 pirates à Munfail. Eh bien écoutez, on va être parti, tant pis. Hein. L'épisode sera un peu plus long que prévu pour moi. C'est-à-dire qu'il va m'avoir pris plus d'une heure. Là, on a une heure et quart là, pour moi. Depuis que j'ai commencé le début de cet épisode. Mais ce genre de mission est clairement intéressant. Munfail. Hop. C'est parti. On y va, on y retourne.
Je me garerai à Munfail. Même si ce système me fout les boules. Ok. Flight assist off. Ouais, on va pas enlever le flight assist. Sinon, ça va plus du cul. Oula, hop. J'ai cru que j'allais m'égratigner la peinture. Landing gear retracted. C'est parti. Direction Munfail. Hop. Tuer 9 pirates, ça va être très rapide normalement. Hop. C'est parti. Faut juste que je me rappelle de mémoire. Où est-ce que c'est censé être? À Munfail. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. 4, 3, 2, va pas être en... Engage. Alors, de mémoire. Donc chez les Blackbirds, hein. Je crois que c'est autour de Munfail 3. Je suis pas sûr du tout, c'est vraiment le plus gros pif, hein. Et on va pousser un petit peu parce que là on n'est pas rendu. On a un petit peu de route, je vois beaucoup d'activité dans le coin. Fuel scoop disengaged. Ok, nous voilà partis. Je pense pas me tromper en disant le 3, mais j'ai un doute. Nicolette Orbital, non, je pense pas me tromper. On verra bien. Si nous sommes équipés, il n'y a plus qu'à y aller maintenant, hein. Alors, je fais peut-être une ellipse quand on se retrouvera là-bas. Hop, comme ça ce sera fait. Allez, à tout de suite. Tellement d'ellipses dans cet épisode. Si vous souhaitez qu'il y en ait moins, enfin, dites-moi ce que vous pensez des ellipses dans ce jeu. C'est un jeu simulation, c'est un jeu qui nécessite quand même de passer du temps dedans. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Hop, merci. Voilà, chers amis, on y est. Plus qu'à espérer qu'il y ait un petit peu de monde. On est un petit peu loin du point central, mais là je ne vois personne sur le radar. Ce que je n'apprécie pas, je l'avoue. Ah, ça y est. De toute façon, il ne faut que 7 pirates, hein, si je me trompe pas. 9 pirates, ah, ça fait beaucoup. Clipper impérial, où ça commence bien. Alors, ils sont deux. L'autre étant... un fédéral gunship. Ah, ça va être dur à deux, à tout seul, ça. Pardon. J'imagine qu'ils vont s'attaquer à ce piton. Non, ce piton est tout seul. Intéressant. On va le scanner. Hop, par principe. Je me suis pris des tirs, mais c'était pas moi la cible. Hop, voilà, maintenant qu'il est scanné. Après tout, je peux peut-être me faire un petit peu... Oh là, j'ai oublié de mettre le radar de débutant. Vais-je la voir? Telle est la question. Oh, je l'ai raté. Ah la vache, j'ai peut-être pas fait suffisamment de dégâts. Si, c'est bon. Normalement, elles en fait une. Maintenant, sur les deux, il y en a peut-être un qui est peut-être plus bousillé que l'autre. Ah, j'aurais aimé que ce soit le cas.
scan detected. Est-ce que je tente ma chance? Ou pas? Oh, bien joué. Hop. Under attack. Hop. Ok. Scan detected. Heatsink deployed. On s'en prend plein la gueule, hein. Scan detected. Je me bats pour garder mes boucliers. Et ça va être compliqué. Heatsink deployed. Ah la vache, plus je loupe mes tirs. Ah, puis je les loupe tous, hein. Ah, c'est la mort. Ça pue la mort, chers amis. Ça pue la mort. Ah, fait chier. Trop gourmand, Marcus, trop gourmand. Faut qu'on se barre. Mais là, je pense que c'est mort, hein. C'est clairement mort. Canopy integrity at 50%. Canopy critical. Ah oui, je sais bien. Après le moment où j'ai des flammes à l'intérieur, c'est que c'est pas bon signe. Je me doute. Hull integrity critical. Il continue à me niquer de là. Et c'est la mort. Génial, deux morts en deux épisodes. Eject. Eject. Ça me donne même plus Eject. Envie là. Eject. Bon bah je suis mauvais, je me suis attaqué à une escadrille. De toute façon, je le savais que ça allait être dangereux. Je pensais que ça allait passer, mais non. Eh bah écoutez, c'est génial, je suis censé être là pour me faire du fric et je l'ai dans le fion. Donc bah écoutez, c'est comme ça. Hop. Eh bien écoutez, fin de l'épisode les amis, merci d'avoir regardé celui-ci, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam et va te faire foutre. Hop, voilà, ça m'énerve. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre aventure, donc va te faire foutre, je te disais bien sûr ça, au jeu pour leur mission. Allez, salut les gens.